Nous avons parlé en détail de ce genre de triangle de forces extrêmement puissantes dans l'esprit faux, dans l'esprit de l'ego, ce triangle qui consiste euh, de la culpabilité, la, la particularité et le manque. Ces, ces puissantes forces dominent l'esprit de chacun qui vient ici. Il vient parce que son esprit est dominé par le besoin de particularité, le besoin de, de renforcer, de multiplier le, la culpabilité euh, et de vivre des expériences de manque. Chacun qui vient ici, et que ce ne soit pas juste une information intellectuelle, mais je vous invite à vraiment vous souvenir de tout le travail que nous avons fait sur ces trois sujets. Euh, et, et d'essayer de, de, de voir autour de vous comment comment cela peut être vrai dans les personnes que vous connaissez dans votre propre expérience chacun vient ici avec ces trois sentiments très forts qui dit qu'il n'a pas assez d'existence personnelle il n'a pas assez d'identité personnelle il n'a pas assez de reconnaissance personnelle et assez d'importance personnelle pas assez de puissance personnelle donc, il va chercher par tous les moyens de renforcer ce sentiment d'être un individu par le reconnaissance et l'importance et la puissance. Cela parce que il a sacrifié sa véritable identité et maintenant il sait qu'il est éphémère et il est une, une ombre, il est un fantôme. Donc il cherche par tous les moyens de se donner. Une nouvelle identité qui sera toujours une fausse identité, parce qu'il ne peut jamais remplacer sa véritable identité par une fausse réalité, fausse identité. Mais la, il ne faut pas sous-estimer la force de la particularité, le besoin d'être un individu, un individu différent et, et séparé des autres. La deuxième force, c'est un sentiment terriblement fautif, souffrant et victime de ce monde. Cela est un sentiment de culpabilité, le sentiment de culpabilité qui exige la projection pour ne pas être responsable pour sa propre attaque sur lui-même, qui trouve les autres pour trouver les autres encore plus fautifs euh, que lui, pour pouvoir pointer le doigt et, et dire Je suis peut-être fautif, mais il y a encore qu d'autres qui sont bien plus fautifs que moi ils doivent être punis, puisque c'est eux qui sont responsables pour notre souffrance. Pensons à, à toutes les différentes personnes, parties, armées, pays qui sont en guerre, qui insistent sur ceci. Ce n'est pas ma faute, je suis obligé de faire ceci. J'ai été agressé, j'ai été attaqué. Je suis innocent. Euh, euh, et la troisième force la plus puissante, c'est un sentiment d'être de, de, totalement vide à l'intérieur et chroniquement insatisfait une force qui nous pousse à satisfaire un vide béant et un trou infini à l'intérieur de chacun rempli de ces trois, ces trois forces nous, nous comprenons bien la souffrance de chacun dans ce monde celui qui ne se, qui se tourne pas à l'intérieur ou, ou qui ne se met pas sur un chemin spirituel pour trouver la réponse, la véritable réponse, la véritable guérison de sa condition intérieure. La conclusion ici, c'est que la souffrance et le manque font partie in intégrante, intégrante et inévitable du psyché de chacun. Ce monde sera toujours habité et, et dominé par les esprits totalement troublés, comme le coup on nous dit, des esprits totalement malades.